Voici l'exposition la plus inconfortable de l'été. 2049 évoque la Franche-Comté dans 30 ans, une région malmenée par le réchauffement climatique. 5 degrés de plus, comme un docu-fiction, juste pour alerter. On passe, oui, d'un climat avec des températures assez basses en hiver aujourd'hui à des températures qui, finalement, en 2049, deviendraient assez douces et en été qui seraient caniculaires. Pour les habitants. Aux États-Unis, évacuation sans précédent. Si on prend le cas tout simplement de l'image d'Épinal de la Franche-Comté avec les monts Béliard, ce serait la disparition du comté. Ce travail de sensibilisation mené par des étudiants géographes ne joue pas que sur la peur. Il envisage aussi des solutions oubliées, comme l'habitat enterré. Une idée presque loufoque, si elle n'était présentée justement au musée des maisons comtoises, un lieu référence sur la question du logement et du climat. Tout à l'heure, on a visité une maison qui était en... Il y avait de la paille, de la terre, et puis ben, on est rentré dedans, il faisait frais. Quand on regarde la façon dont elles étaient construites, ce serait bien peut-être de repenser à nos façons de construire nos maisons de maintenant. Nos ancêtres étaient-ils plus malins ? La conservatrice du musée veut puiser dans le passé des réponses pour demain. Ils utilisaient uniquement les ressources dont ils disposaient. L'orientation de la maison, les ouvertures de la maison, l'épaisseur des murs, ou pour le haut doux, le haut jura, l'inclinaison du toit, le fait de mettre du fourrage pour l'isoler, notamment pour le froid. Tout était étudié, il n'y avait absolument aucun hasard. Un dialogue entre les âges qui redonne forcément un peu d'espoir dans l'avenir et dans les hommes pour 2049.